Alors, bonjour ou rebonjour. Voilà, je viens faire la partie 2 de la guidance du mois de mars. Donc, j'ai préparé mes jeux, j'ai tout rebougé, enfin voilà. On va commencer à sortir une carte des portes de l'intuition, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour le monde, pour le mois de mars? Alors, déjà, on en a deux. Alors, on a le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. D'accord? Donc, c'est le moment de sortir de ce film, bien entendu, mais aussi, vous voyez là, dans ce que vous avez créé dans votre petite tête, hein, c'est-à-dire sortir de votre déni. Voilà. Donc, je vais le mettre ici. Vous ne le voyez pas, mais voilà. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Vous voyez vraiment, au mois de mars, on vous dit de vous préparer, mais en même temps, on fait le tirage aujourd'hui. Donc, c'est possible que le mois de mars sera un mois de changement. D'accord? Voilà. Ici, maintenant, j'avais préparé. Voilà, le temps que ça sert à rien que je passe mon temps en vidéo à préparer les cartes. Donc, je vous ai préparé les anges divinatoires. Donc, ici, on a l'archange Raphaël. Raphaël, c'est la guérison, la découverte scientifique, d'accord, et les capacités intellectuelles. Donc, s'il vous plaît, archange Raphaël, quel message vous pouvez nous donner pour ce mois de mars 2022? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner un message pour ce mois de mars 2022? S'il vous plaît, Archange Raphaël, pouvez-vous nous donner une indication sur ce qui va se passer au mois de mars? Alors, on a la passion. On a les vérités et le réconfort. D'accord? Donc, moi je dis que sur les choses qui vous tiennent à cœur, les vérités vont sortir. D'accord? Et l'archange Raphaël est là pour vous réconforter. Ensuite, on a l'archange Uriel, qui est le gardien de la planète et de l'illumination. Alors, il nous dit humilité. Alors, le but. Ça, c'est pour l'archange Uriel. Maintenant, on a l'archange Gabriel, qui est la clarté, l'intuition et la créativité. Alors, archange Gabriel, s'il vous plaît, quel message pouvez-vous nous donner pour le mois de mars? Vous voyez, on parle de guérison. Alors, s'il vous plaît, une belle guérison. D'accord? Archange Gabriel, guérison, beauté, une belle guérison. Suite aux vérités qui vont sortir. But des archanges, hein, de ce mois de mars, c'est cela. Et on a l'harmonie. Alors, Archange Michael, s'il vous plaît, on a la croissance, donc l'élévation. S'il vous plaît, Archange Michael, pour le mois de mars 2022, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Mars 2022. S'il vous plaît, pour le mois de mars 2022.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? L'ascension. Donc, vous voyez vraiment, hein, regardez, une belle évolution, voilà, au mois de mars. Concernant la guérison, hein, donc concernant la santé, d'accord? Il y a des vérités qui vont sortir. Et ici, on a la connexion. Donc, on vous demande de bien rester ancré, de bien rester connecté à l'univers, hein, pour avoir ces vérités, pour avoir ces révélations, ces belles révélations concernant, enfin, belles révélations, non, les révélations. Il faut que vous restiez bien ancré, d'accord? Ça va vous réconforter. Alors, moi ici, hein, ce que je vois, le réconfort, d'accord, c'est qu'il va vous dire qu'il n'y a pas de coco, ok? Il y a une élévation dans ce sens. Alors, on n'oublie pas les cartes qu'on a sorties des portes de l'intuition, le film, la nouvelle page, d'accord? Il faut sortir de ce film pour avancer, tourner la page, aller au changement. Voilà, donc ça, c'est ça. Maintenant, on va prendre le Just Be. Voilà, hop, hop. Et on va faire comme d'habitude. Alors, s'il vous plaît, pour ce mois de mars, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ce mois de mars 2022, s'il vous plaît? Alors ici, on a le soleil, regardez. La réussite, d'accord? Le bonheur, les énergies positives. Alors, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire pour ce mois de mars 2022? Oh, on a des belles cartes. Alors, on a la porte. Donc, c'est les découvertes, l'opportunité, la curiosité. D'accord? Donc, au mois de mars, il y aura une opportunité grâce à quelque chose qu'on va découvrir. On a l'ostaro. Donc, c'est le printemps, hein, semer, commencer. On a ce lièvre qui... Et transformation, indépendance, liberté, rapidité. Donc, on va découvrir des choses qui vont nous rendre notre liberté. Assez rapidement, c'est normal, nous sommes le 23 février déjà. Donc, mars, c'est dans quelques jours. On a le soleil, regardez. La réussite, l'énergie, le bonheur. D'accord? L'abondance. Donc, au mois de mars, on va découvrir quelque chose qui va nous libérer, d'accord? Et on réussit déjà quelque chose. Les conseils. Ah, regardez, la pomme, c'est la maladie, la tentation, la dégradation, d'accord? À côté, il y a l'enfant, donc la naissance, d'accord? Donc ici, moi, je dirais que il y a quelque chose de neuf par rapport à cette maladie. Quelque chose de neuf qui arrive avec la première carte qui est la porte, l'opportunité. Ici, on a le phénix, donc la renaissance, la purification, l'acceptation. Il va falloir, par rapport à la découverte que nous allons faire, à l'opportunité que nous allons nous donner, voilà,
Concernant cette maladie, nous allons réussir à nous libérer, à purifier ces mauvaises personnes. On a l'escalier. Donc, on vous demande quand même d'être motivé. On aura notre part de choses à faire, hein, voilà. Mais ici, on a l'ami. Donc, quelqu'un qui vient nous aider, qui vient nous tendre la main. Quelqu'un d'étranger. D'accord? Parce qu'il est inconnu. Okay? Et on a la lanterne. Donc, la guidance, l'abri et la chaleur. Pour moi, ici, je vois quelqu'un d'étranger qui vient nous aider, d'accord, à nous élever, à nous motiver pour nous protéger. D'accord? Il va falloir accepter ce qui va se passer. Il va falloir accepter que on ne peut plus rester dans un monde aussi malsain, d'accord, et qu'on doit changer, qu'il faut passer à autre chose. Voilà. Alors ensuite, je vais vous donner un message de votre âme. Alors, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2022, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Mars 2022, alors. On nous dit, écoutez les astres, reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille, d'accord? Donc ici, une belle étoile, hein, voilà, qui arrive nous ouvrir les yeux, encore ben, certainement hein, nous donner des révélations pour qu'on comprenne, pour qu'on soit éclairé sur ce qui se passe. D'accord? Ici, on a affaire en conscience, mets de la conscience dans chacune de tes actions, prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Donc, ayez confiance, ayez conscience, excusez-moi, de comprendre vos faits et gestes. Pourquoi, par exemple, vous mettez une muselière? Pourquoi vous allez vous faire picouser? Vous n'avez aucun droit de plus que ceux qui ne le font pas. Et on a s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. D'accord? Donc, instruisez-vous avant de prendre une décision. D'accord? Voilà. Mais surtout, restez positif. On voit ici avec écouter les astres. On vous dit bien de rester debout, d'accord? Et essayez de comprendre ce qui se passe. Voilà. Pour cela, il faut que vous preniez connaissance de certaines choses. D'accord? Voyez, on vous demande aussi d'ouvrir les yeux. C'est très important. Ouvrez les yeux. Instruisez-vous sur tout ce charabia qu'on vit depuis des années, d'accord? Voilà. Et surtout, ouvrez les yeux. Lève la tête. Sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Alors, vous allez me dire, ouais, mais tu avais dit le 22. Ben, le 22, je vous ai dit entre le 22 et le 25. Et les guides, vous avez bien dit de bien regarder ce qui se passe. D'accord? Donc, on n'est que le 23. Et moi, hier, en plein hasard, je suis tombée sur des choses. Hein. La vidéo que je vous ai mise hier concernant 3D, 5D, le lien est dans mon résumé en dessous de ma vidéo. Vous allez sur YouTube, quand vous êtes sur ma vidéo. Vous descendez un tout petit peu quand vous êtes sur la vidéo, j'ai bien dit. Et en dessous, il y a le lien.
D'accord? Je vous ai mis le lien de cette vidéo que j'ai trouvée ou qu'on m'a envoyée, celle-là. Je ne sais plus. Enfin, j'ai mis d'autres choses aussi sur mon Facebook. Alors, encore une fois, ici, clairvoyance. Donc, ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Destin. Ton destin est de prospérer, de prier, de transformer son cours en un avenir radieux. Il faut absolument ouvrir les yeux, d'accord, et reprendre votre vie en main. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur, d'accord? Donc, restez dans l'amour et écoutez ce que votre cœur a à vous dire. Alors, je vais vous donner un message. Ange gardien, voilà. Alors, on va voir ce que nos anges gardiens ont à nous dire pour le mois de mars. Alors, ils sont très rapides, ils sont au taquet, hein. Cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Et là, nous sommes en train de faire une guidance pour le mois de mars. Alors, vous savez hein, que ça va s'alléger parce que ben, c'est normal. Hein. Il y a les petits papiers dans la boîte et tout ça. Donc, voilà quoi. Hein. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Alors, donc, il faut de la patience parce que les gens ne comprennent pas tout. D'accord? Il faut s'instruire. Regarder les personnes qui disent la vérité et non pas les merdiens. Cette situation ne durera pas toute la vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. D'accord? La solution, c'est de vous instruire, c'est de faire les choses en conscience, donc de faire ce que vous avez envie et non pas ce qu'on vous impose. C'est pas pareil, d'accord? Et surtout d'ouvrir les yeux par rapport à toute cette manigance, ces trafics. Voilà. Pars en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination. Là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte, tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir des belles choses intéressantes. Alors ici, quand on parle de partir en voyage, c'est ce que j'entends. C'est plus méditer. Faire un voyage astral, vous voyez, pour que votre guide, votre ange gardien, puisse vous donner des infos, d'accord? Puisse vous donner des messages. Alors, ça c'est fait, on va demander aux archanges. S'il vous plaît, les archanges, que pouvez-vous nous dire pour le mois de mars 2022? Alors, on fait de là. Tout va bien. Claire connaissance. L'archange Jérémie, tout se déroule exactement comme il se doit. Et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Vous voyez, je vous l'ai dit. Alors, dites-vous que c'est long. Oui, je le sais. Mais qu'est-ce que vous préférez dans l'histoire? Que ça se passe en coulisses ou qu'on a une guerre comme en Ukraine et tout le train-train, d'accord? Moi, je vous dis que tout ce qui se passe en coulisses est fait, voilà, ça a pris un peu de retard, mais c'est fait, d'accord? Et ça va s'arranger. La claire connaissance.
Soyez attentif aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées avec l'archange Uriel, le gardien de la planète de l'illumination. D'accord? Voilà. Alors, tout se déroule exactement comme il se doit. D'accord? Voilà. Il y a des belles choses qui sont faites. Voilà. Malgré qu'ils sont cachés, mais vous allez bientôt comprendre tout ce qui a été fait, d'accord? Et c'est pour ça que vous devez être attentif. Votre ange gardien, votre cœur, hein, vous donne les réponses. Les réponses sont toujours au fond de vous, d'accord? Donc, vous savez tant soit peu ce qui se passe. On va peut-être sortir une carte. Il y a longtemps, on a appris ce jeu, voilà. Donc, nous allons prendre une carte des vies antérieures pour voir ce que nous allons nous dire, d'accord? Alors, s'il vous plaît, les cartes, est-ce que vous pourriez nous donner un message concernant ce mois de mars 2022 pour le monde, hein? D'accord? La guidance, c'est toujours pour le monde. Alors, regardez, on a le navire, d'accord? Ça bouge, ça bouge. Il y en a qui sont persécutés. Ok? Voilà, ça bouge. Il y en a, ils sont pieds et mains liés. Et ici, on vous dit que, regardez, guérisseurs, guérisseuses avec les arbres. La nature nous peut nous soigner, d'accord? Dans ce nouveau monde, ça sera comme ça. Il n'y aura plus de poison, ok, pour nous soigner. On reprendra nos remèdes de mamie, d'accord? Voilà. En tout cas, moi, j'en vois qui sont persécutés, hein, voilà, par rapport à ces picots, d'accord? Voilà, par rapport à leur connerie. On a les transports, donc vous voyez, il y en a qui vont quitter le navire aussi, hein. Ça va déménager au mois de mars, hein, d'accord? Regardez. Scribe et écrivain. Alors ici, moi, ce que je pourrais dire, c'est que il y en a, ça bouge. Ça bouge. Il y en a même qui vont se barrer parce qu'ils vont être persécutés par rapport à cette maladie qu'ils nous ont inventée. D'accord? Il y en a qui vont être obligés de partir. Parce que ici, pour moi, vous voyez, ce petit parchemin là et tout, il y a des lois par rapport aux soins médicaux. D'accord? Qui n'ont pas été respectés. Alors, qu'est-ce que on veut nous dire quand on parle de... Voilà. Vous voyez, il y a vraiment des choses qui sont écrites et qui ne sont pas respectées. Voilà. Et ça, pour moi ici, ce sera vraiment inscrit il y en a qui vont faire des livres de cette situation qu'on a vécue. D'accord? Voilà. Parce que alors là, ça sera vraiment écrit dans l'histoire. Hein. Alors, s'il vous plaît. Et avec le navire et le transport, hein, moi j'entends ça, hein, vraiment, au mois de mars, ça va bouger, d'accord? Par rapport à cette maladie, puisque on a guérisseur, guérisseuse et l'arbre, la nature. On a l'art, l'époux, l'épouse. Alors, on sait que ce couple hein, a l'art et la manière, hein. Mais moi, je pense bien que voilà, ils vont nous inventer quelque chose, mais c'est déjà écrit, hein, voilà.
Et ils vont se barrer, hein. Bien qu'ils sont déjà plus lents, vous le savez, voilà. Je pense que, ouais, il y en a qui vont vraiment. Alors, les pouls ici dans la situation actuelle, hein, ça peut être des parties, d'accord? Voilà, des parties polies, hein? Bon. Et bien voilà pour ce mois de mars. Donc surtout, ben, on nous demande de bien ouvrir les yeux, de prendre connaissance de certaines choses. Très important. Ne l'oubliez pas, parce que il va falloir accepter de voir, hein, d'accord? Parce que je sais que c'est compliqué et beaucoup ne l'acceptent pas, mais malheureusement, il va falloir accepter que nous avons été trompés, hein, mais de toute façon, c'était déjà écrit, d'accord? Ce coco n'est pas arrivé par hasard. Nous, on n'est pas sur cette terre à ce moment-ci et nous vivons pas cela comment vous dire? C'est pas un hasard, d'accord? Voilà. Si on est ici, c'est parce qu'on a chacun notre rôle à jouer. Alors, les anges gardiens, s'il vous plaît, pour ce mois de mars. L'abondance, une bonne surprise vous attend. Regardez. Une bonne surprise vous attend. Alors, s'il vous plaît, pour ce mois de mars 2022, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? La charité, occupez-vous davantage des autres. Et on a l'équilibre. On va, il y a une bonne nouvelle qui va ramener une équilibre, un équilibre dans ce monde, d'accord? Mais voilà, il faudra vraiment s'occuper de ceux qui sont dans le déni complet, d'accord? Qui ne vont pas en croire leurs yeux. Voilà. Voilà pour ce mois de mars. Je vous fais des bisous. Je ne reviendrai peut-être pas aujourd'hui, à moins que je fasse le tirage pour ce mois de mars aujourd'hui, je ne sais pas encore, parce que je vais vous préparer vos horoscopes pour le mois de mars. Bisous, à tout à l'heure.